On va pas vite. Ouais, je sais. Bon, aujourd'hui, ici, on est à Matapédia Québec. On est en train de ralentir parce qu'on est à veille d'effectuer la séparation des deux trains. Donc, je sais pas si on va avoir assez de clarté pour vous le montrer, mais je vais faire mon possible, par exemple. Vous allez tout voir ça sur mon site. OK. Désolé si ça embrouille. Ouais, ça fait même enfer, mon équipe. Mon équipe de filmage. Bon. De toute façon, on peut pas se payer le gros luxe, on est dans un train de passagers de toute façon. Puis on est dans la nuit. Un train de passagers dans la nuit avec des caméras de vidéo amateur. Ouais, c'est clair ça. Bon, mais qu'il fasse jour, tantôt vous allez pouvoir voir mieux. Mais là, c'est comme que je dis, c'est une file à suivre de toute façon. OK. La Matapédia Québec ici. On est en train de... Qu'est-ce qu'on est ici? OK. Là, on longe la baie des Chaleurs et là, on est en train de tourner pour se rendre à la station. Où est-ce qu'on va se diviser? L'autre bord, je pense. Là, on peut voir la locomotive en avant. Je ne sais pas si vous la voyez. On va essayer de la rester de même parce que c'est un peu en route. Ouais, hein? Ça, c'est la genre de route qui mène ouais. Au Nouveau-Brunswick. Oui, c'est la route que tu prends là. Après ça, ouais, tu peux prendre 3-4 chemins. C'est ça. C'est par celle-là que tu prends. Ouais, ouais, ça me dit. Bon, ben, on arrive à la station. OK. Il y a assez de lumière. Ouais, c'est quand même bien. Hey, tu me diras s'il y a quelque chose de parqué, ça arrête à côté. Hein, Alex, tu me diras ça? Ouais, si je vois là. Je suis sûr que tu vas voir quelque chose parce qu'il y a une raille à droite. Je dis ça de même à côté de vous autres, il n'y a pas de raille, non? Non. Bon, ben, on est arrivé à la gare du Via de Matapédia. C'est bouillon, c'est moi qui rentre. Non, il n'y a pas de brouillard. Oh, mais il y a beaucoup de lumière, par exemple. Ouais. Donc, c'est ici qu'on va effectuer la séparation des deux trains. C'est ici qu'il y a des gens qui attendent pour embarquer dans les trains, mais qui de bonne heure, on va d'abord procéder à la séparation et ensuite, on va faire embarquer les gens. Ça dit, en passant, il est 5 heures d'attente. Ouais. 5h AM. La clarté devrait naître dans pas longtemps, mais comme qu'on dit, on le sait pas. Pas encore. Ah, Raph, c'est ça l'arrêt. Tu me parlais à côté à gauche. Ça en va, Gaspé. Bon, ben OK. On se positionne ici. Il faut que l'océan rentre. Hey, moi, je m'en vais filmer en arrière. Okay. Il y a une maudite belle vue en arrière. OK. Hey, je on va se mettre sur le mode 1. Je vais le mettre à droite, là. Moi, je me mets dans le milieu, moi. OK. Moi, on va me mettre à gauche. C'est normal, ils viennent de le débrancher. Ils viennent de déploguer les locomotives, ça? Hey, je voulais le mettre ici, Alexandre. Ah, OK. Enfin, moi, je vais le mettre ici, dans ce coup-là. Milieu, ah, on a une petite belle vue pareil ici. Ouais. Mais là, c'est sûr, par exemple. C'est ça que l'air climatique. Bon, ici, on se trouve en arrière du wagon dôme panoramique sur la section du chaleur. Mais là, on voit qu'on va, on s'apprête à déploguer les océans. Renaissance, parce qu'on a déplogué les locomotives. Les fans ne marchent plus. Les locomotives sont en train de changer de sens. On va y voir passer juste à côté de nous tantôt. Je vais vous en revenir là-dessus.